Non, le QSO est commencé déjà depuis 10 bonnes minutes. Nous, on est encore au gastro. On arrive, on revient, de suite, on arrive. Alors, pendant que certains parlent sans arrêt, d'autres ils agissent. Ils agissent comme ils font. Alors, quoi? Regardez qui c'est qui est abatté. Vous voyez qui c'est qui est pendu après la bouteille? Et là, nous, on est au dessert. Et pense, voilà. On arrive. En tout cas, c'est très bon ce qu'on mange. Et on arrive de suite pour le QSO. Thank you.
Fini son verre de pilot et il va nous faire plein de QRM ce soir en fréquence. Moi je vais commencer, je rejoins le groupe. Je serai
Mike. Ok les stations, merci de m'accepter dans votre QSO, les mentions 1351 à vous tous de la part de Dandy 33, 14 ODR 002. Ah bah tu m'étonnes, il y a encore justement Claudie là qui est encore à table. Il n'a pas fini son verre de Pinot et je sens qu'il va nous mettre pas mal de QRM tout à l'heure en fréquence. Hachi. Je vais
Ok, je sais plus si je t'ai répondu. Oui, c'est que j'ai dit tantôt. Ah oui, ça y est, ça me revient. Il m'a semblé entendre quelqu'un qui était assez noyé dans les QRM. Ouais, c'est vrai que quand on passe sur le pont, de toute façon, on est noyé dans les QRM. On n'est pas noyé par la flotte qui est sous le pont, mais par les QRM qui est au-dessus du pont. Hachi. Et je passais très fort. Ben, j'étais juste avec le superstar que j'ai dans le push. Voilà, rien de plus. Et côté de l'antenne, c'est une Sigma Jura 10 PL, voilà, qui fait 1m80, voilà, sur le toit du push. Et pour demain, de toute façon, on se donne, il y a un endroit unique pour se donner rendez-vous, hein, c'est à Cestas, avenue de Verdun. Voilà pour l'adresse, c'est la salle, je sais plus comment. Enfin bref, c'est avenue de Verdun à Cestas. Voilà, de mon côté, j'ai aussi programmé le GPS là, pour demain matin. Quoi. Ok, ah voilà, je vois Claudie, voilà, qui voilà, je suis en train de le montrer. Ouais, comme à chaque fois évidemment, une vidéo. Ce soir, ça va même être maxi vidéo. Ouais, donc tu souhaiterais, est-ce qu'il y ait quelqu'un là qui soit en foyer? Ouais, ben on verra ça, ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce que ouais, Claudie, tu vas te mettre en place, c'est ça? Ça marche. Ok, voilà, il nous fait bye bye. Alors Claudie va se mettre en place sur c'est l'une des deux surprises de ce soir. Voilà, il va se mettre en place sur la colline de Saint-Maine-de-Castillon. Bon, il sera sur la Santiago 1200 et ça passera déjà bien assez fort avec. Est-ce que tu aurais, Hervé, un créneau horaire des fois à nous donner là pour essayer, parce que là ça va être short. En même temps, nous on va devoir retrouver les gens de dans la salle qui nous reconnaissent. Eric, c'est bien chargé de me dire, enfin de dire à tout le monde que tu cherches quelqu'un qui a un chapeau. Bon, ben d'accord, je suis grillé. Et donc, il va falloir que je jongle pour le coup entre la salle, le push. Faut que je trouve une bonne place. L'idéal, c'est que ce serait que j'arrive à me garer directement là devant l'entrée de la salle. Ah, ça serait pas mal. Mais je pense que la place doit être chère, là. Pas n'importe quel chapeau, hein. Ah, pas n'importe quel chapeau, je chie trois coups. Eh bien tiens, justement, Claudie a eu la surprise tout à l'heure de découvrir qu'il n'y a rien de fait pour lui. C'est clair. Voilà, et là j'en ai trois autres là qui... trois ou deux trois autres qui attendent. Ok. Ah oui, par la même occasion... la deuxième surprise de la soirée, c'est une surprise pour tout le monde, pour le coup, car il est toujours sur la route. Un contre-temps en amène un autre. Donc, nous avons la station 14 Charlie Radio 011, qui est en stand-by derrière. Alors, que je regarde d'après son dernier message, dont j'ai pas l'heure, ben comme ça je suis content.
Enfin bon, bref, il est en écoute derrière nous, il nous entend. Eric, il t'entend derrière. Je sais pas si on va arriver à l'entendre. On va voir ça de suite. Je retourne le micro sur un, je viens de le dire. 14 Charlie Radio 011. En avant si tu m'entends. Ok, bon, moi en tout cas il m'entend pas. Ou alors je l'entends pas. Eric, vas-y, tente le coup. 14 Radio, Charlie Radio 011. Voilà, 14 Charlie Radio 011. Voilà pour l'indicatif. Ok, pas de soucis, mais là, là c'est négatif pour moi, je l'entends pas. Et t'as pas donné le prénom d'opérateur. Il m'a semblé comprendre qu'on voulait qu'on donne que l'indicatif. Ok. Écoute, si j'entends, je lui envoie les bonnes invités, et puis présence sur la route. Donc, les invités de Ric, 14 Victor Eco 27. Voilà, retour au micro. Non, j'ai rien, rien. Non, pas. Non, moi non plus, j'ai rien de mon côté. Il est au sud, il a dû rouler quand même pas mal depuis tout à l'heure. J'ai reçu un SMS là, pendant le gastro, me disant qu'il était au sud d'Angoulême. Bon, je sais que ça passe hein, jusque là-bas. Hein. J'entends Eric, Echo 27, ouais c'est ça, ouais, 14 Victor Echo 27. Je suis à 30 km d'Angoulême. Bon, ça fait déjà, ça va bien faire bien 20 minutes là, qu'il m'a envoyé là, ce message. Ok, pas de soucis. Juste un mot, Rémi, avant qu'on ait j'oublie, demain matin, c'est toujours la même heure, on s'était prévu notre rendez-vous là, je parle. On décolle du QRA à 7h. On te retrouve à 8h à la station essence là qui a là dans le sens intérieur là de la rocade aussitôt après le pont François Mitterrand et on allonge après jusqu'à Radio Broc. Voilà. Et à propos de nous on récupère Chameau à Saint-Pédarmand à 7h05. Voilà. Pour Chameau, il sera avec nous dans le QSO là d'ici une vingtaine de minutes environ. Hein. Car là il est en gastro solide familial. Okay, pas de soucis. Je resterai à l'écoute moi, à partir de 7h15 le matin. Donc je vous suivrai le long du trajet. Je serai en place avec le pouce. Voilà. Allez, retour au micro, Rémi, tu feras tourner. Hein. Ok, il y avait Coco qui était là tout à l'heure. Coco nous rejoindra sur la route également vers les 7h30. Alors lui par contre il est en AM. Donc il va falloir que là qu'on arrive à jongler entre le 27 AM, 27 BLU. C'est bon, on se débrouillera, c'est pas grave ça, on improvisera et puis voilà quoi. Dès qu'on entendra gazouiller derrière, bon bah, on saura que c'est une station en AM et puis on basculera vite fait là pour l'accompagner en même temps. Puis bon, on se débrouillera de toute façon à coup d'acrobatie. Oui voilà, bon d'accord, ok, on y arrivera. Retour de micro sur Daniel. T'étais bien parti tout à l'heure. T'étais bien chaud. Là c'est bon, là t'avais du bagou. Vas-y, retour de micro, Daniel. Là pour les infos là que j'ai un peu loupé côté café, un truc comme ça. Enregistrer le break. Je vais faire ça demain matin et puis je vais le faire à la salle puisque dans toute façon, effectivement, je serai
Ok, ouais, il y a eu un break. Donc, c'est une radio de 4, Santiago 4 de mon côté. Voilà, il y a eu un break, histoire de ne pas perdre le break, on va le faire rentrer de suite. Allez, en avant le break, il m'a semblé reconnaître le buveur de Pinot. Alors attention, ça va fruiter ce soir, Hachi. Attends mon petit poisson rouge, eh, bonne 73-51 à toutes les stations de 14 ODR 02 016. Ouais, ça commence. Ça c'est fait, on n'a pas le plus. On recommence, 14 ODR 016, opérateur Claudie sur le département 33. Allez Claudie, 73-51, les amis Cédric. Ah, 73 Eric, ben content de t'avoir en fréquence. Ok, ok, les invités, allez, je fais tourner au suivant. Ok, vas-y Hervé. Je te reconnais là, Coco, là il n'y a pas de problème. Ah oui, là ça passe beaucoup mieux là, tu vois là, là. Et puis déjà au niveau cage en fréquence, c'est déjà mieux. C'est là je t'entends mieux, il n'y a pas de problème. Ah ouais, puis je reconnais ton bip si caractéristique. Attends, excuse-moi, il y a Claudie là qui vient de rentrer, la 14 ODR 016, là, qui nous arrive de la Charente, c'est-à-dire environ 170-175 km d'ici. Voilà, il envoie les bonnes 73-51 à tous. Je te retourne le micro là, de Coco 33 là, pour que tu lui envoies les bonnes 73. Ah, tu l'entends pas? Ok, vas-y Claudie. Ok, y a pas de soucis, les bonnes 73 à toi Coco. Attends, j'accélère un peu. Ah, le coup d'accélérateur, c'est trop bon ça. Donc, les bonnes 73 à Coco, puis les bonnes 73 à toutes les stations qui sont en fréquence et qui m'ont pas entendu tout à l'heure. Là maintenant, ils devraient m'entendre, y a pas de soucis. Voilà, je suis placé, je suis bien dégagé, et puis j'accélère. Thank you.
Putain, moi je suis en train de pédaler dans la choucoute là, du côté de l'ordinateur. Aïe aïe aïe. Oui, 040, les bonnes 73 en avant. Les bonnes 73 51 de la part de Dandy 33, que j'énumère la liste. 14 ODR 064, 14 ODR 027, 14 Hôtel Alpha Nike 04, Coucou 33, 14 ODR 0016. Et c'est pas fini, il va y avoir encore du monde qui va rentrer dans le QSO en avant la station. Ok, Jérôme du 40, les 213 51 toi, ben, content de te compter parmi nous. Je sais pas si demain tu seras avec nous, en tout cas, nous demain matin, on est tous sur sur Radio Broc, avenue de Verdun à Sestas. Voilà, et puis le midi, on fait tous ceux qui veulent se joindre à nous, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas à demander d'autorisation, ils s'incrustent, ils s'invitent et ils seront avec nous pour le repas de midi. Voilà, de toute façon, nous on fait ça le plus tranquillement possible, un lunch, un truc comme ça, tac, et puis voilà, on avant roule. Voilà, retour de micro, Jérôme. Enregistré break. Ok, d'accord, bon, ben, ouais, comme quoi, on fait pas toujours ce que l'on veut, c'est clair. Il y a eu un autre break, hein. Alors, avec la permission du groupe, en avant le break. Ok, Eric, je savais pas que t'étais là, Bazas. Oui, ça y est, ouais, ah bah oui. Je sais plus, est-ce que c'est toi qui m'as fait la demande d'échange de QSL le dernier coup? Si c'est toi, j'ai posté la QSL dès le lundi matin, bah dès lundi dernier, voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tant que mon petit ami est la ville de Bazas, 50 km au sud de Bordeaux. Et en profite tant que j'ai le mic pour envoyer des bonnes amitiés à tout le monde. Voilà, et tout à l'heure, mes Victor Eco. Ok, ben, t'as vu, t'as dû trouver mon adresse au dos de l'enveloppe. Voilà, donc je t'ai mis une double QSL, la QSL 14 ODR plus la mienne perso. Hein. Ah, pour ma part, je fais déjà partie du groupe 14 ODR. Hélas, je peux pas trop me disperser là à ce niveau-là. Et on fait déjà pas mal de choses de notre côté, comme le salon de Marraine qui aura lieu le 30 juillet prochain à Port-des-Barques. Le salon de Marraine Port-des-Barques, pourquoi? Parce que cette année, là, la salle de Marraine est en travaux. Voilà, des amiantages plus le sol qui refont. Donc exceptionnellement, cette année, le salon de Marraine se fera à Port-des-Barques. Voilà, c'est à gauche de Rochefort pour situer comme ça vite fait. Voilà, donc j'ai pas mal d'activités déjà de mon côté à mon actif. Rajouter encore un truc, là je peux plus, là, chie. Je vais faire un retour de micro sur Claudie qui puisse t'envoyer, j'allais dire les bonjours du soir. Enfin bon, bref, il m'a compris. Ok, ok, bah, les bonnes 73, auto-Eric de 14 ADR 016, opérateur Claudie, situé sur les collines, enfin sur les points hauts de Saint-Maine de Castillon. Il n'y a pas de problème, c'est les voici pas toi de l'opérateur américain, 14 Yankee India 438, à côté de Bazas, Bravo, Alpha, Zolo, Alpha, Sierra, 50 km au sud de Bordeaux.
Voilà, pour te situer, Claudie, il est à 3-4 km juste avant Castillon-la-Bataille. Voilà, pour te le situer là. Je fais un retour du micro à une news. Ok, alors nous avons normalement 14 Charlie Romeo 011. Les 2073 51 toi, on t'attend avec impatience là dans le QSO. On va retenter un retour de micro. Vas-y, putain, qu'est-ce que je fais, moi, qu'est-ce que je merde. 14. Ah, ben ça y est, retour de micro. Enregistrez le siffleur. Oui, enregistrez le break. Ok, les bonnes saisons 13-51 à toi et bonne soirée, à bientôt. Et peut-être à demain à Radio Broc, c'est Stas, avenue de Verdun. Il y a eu un break, en avant le break. Oui, le break, en avant. Ok, je vais faire un retour du micro du côté de la tour de contrôle de Bordeaux. Ouais, il y a eu un break derrière. Là, j'ai pourtant enregistré. Pourtant, normalement, il devrait m'entendre. À moins que ce soit notre ami là qui se fait désirer, Hachi 14 Charlie Radio 011. Si c'est toi, vas-y en avant. Attention, 14 Charlie Radio 011 pour 14 ODR 016 qui t'a lancé. Tout à l'heure, on a eu un siffleur aussi, en avant le siffleur. Ah, j'ai bien entendu le 40, mais c'est trop dur de mon côté, j'arrive pas à sortir. Idem. Restez pas dans l'ombre, en avant. Oui, en avant le break. Attention, Kangourou 33, est-ce que ce serait toi des fois là qui lance un break? En avant les breaks. Il parle, il parle. Oui, la station, désolé, peux-tu nous revenir, s'il te plaît? Vas-y, rentre, on te laisse une allée d'honneur. Vas-y, en avant. Oui, ben on entend s'agiter derrière, on vous demande de rentrer. Allez-y les stations, on va pas rester comme ça, allez-y, prenez le micro. Ok, la station, j'ai pas eu le temps de comprendre. Dandy, c'est... j'ai pas compris. Ah, ça y est! Non, c'est pas moi qui ai pas compris, c'est mon cerveau qui a pas compris. Hachi, trois coups. Les 2073-51, toi. Ça y est, le deuxième invité surprise de la soirée est pas très loin. On commence à l'entendre. Retour Claudie, tu dois l'entendre, toi, depuis là-haut. Négatif, négatif, je n'ai rien du tout. J'ai mis le préampli de réception et je n'ai rien du tout. Faut qu'on m'explique là. Ah, il était bon le Pinot, hein.
Aïe, aïe, aïe. Bon retour, Eric, hein, pour voir si tu entends Sylvain derrière. Oui, Sylvain, 73-51, je ne sais pas s'il entend. Je dirai ça en retour, les invités. Ouais, enregistrer les breaks avec le Roger Bip, multi-bip. Ouais, bonsoir Eric, c'est le commentateur Sylvain, le chasseur sur les radios. Il est en train de parler. Radio de 5, hein. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ok Eric, et voilà, il te demande comment tu vas. Ça va très très bien, ça va très très bien. Ça ira encore mieux, je pense, demain quand on ira de Toulouse. Ah, mais ben moi, Eric, je t'entends fort et clair, hein. Il n'y a pas de soucis de mon côté. Hein. Enregistrez le break, hein, le multi-bip. Ok, il y a un blanc. Il y a une station multi-bip là qui vient de se signaler. En avant la station avec les bandes 73-51 de l'ensemble du groupe. J'énumère pas tout le monde parce que pour le coup on va arriver à la fin de QSO, le temps de citer tout le monde. En avant le multi-bip. Je crois que c'est bon, ah oui, zut. Bon d'accord, autant pour moi. Retour de micro sur vu le QTH sur Hervé. Hervé, tu dois être le plus près, je pense, là, de Sylvain, là, pour le moment. Donc tu es soit sur le 16, soit sur le 17. Vu ce que tu dis, vu la distance, c'est l'un ou l'autre. Ah oui, non, mais c'est normal. Nous, les stations de la Gironde, on est des stations importantes à Chitroicou. Non, je plaisante, je plaisante. Ben non. Bon, Claudie, ce coup-ci, là, ça y est, le verre de Pinot, il est digéré ou pas? Tu vas arriver à l'entendre? Avec toutes les petites barres de fer qui dépassent du capot de la voiture, j'ai comme l'impression d'entendre les martiens, moi, ici. Les bandes 73 à toi, mon ami Sylvain. Ouais, 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 je t'entends. Il était temps, enfin. Blanc, arrête. Blanc. GPS, il va jouer des tours. Il veut faire des tours de 30 km de seconde. C'est pour l'heure que je suis en retard. Oh, ça doit être un TPS belge, là, si. Alors les stations qui sont en fréquence, si autrefois quand on partait en voyage, on aimait bien un petit peu l'aventure, ceci, cela. Eh bien Sylvain, il a fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour mettre du piment là dans son voyage, là, dans son périple. Car Sylvain, est-ce que tu peux dire voilà tout le monde déjà d'où t'arrives et comment tu as réussi à mettre du piment là dans ton voyage à Chi?
Donc pour pimenter son voyage, donc là Claudie Sylvain part de la, voilà, démarrer ce matin de la ville de Troyes. Et pour pimenter son voyage, et bien, ben la courroie accessoire de cassé et tout ça, tac, voilà. C'est faux. Non mais t'as raison Sylvain, c'est un voyage est, nettement moins intéressant quand il n'y a pas de petits piments, de petits trucs qui font que, ben, que ça te fait bien chier quoi. Ah chie. Bon à part ça Sylvain, ça va, tout va bien, la route s'est bien passée quand même. Ah oui, en plus, oui, bah tiens, tiens, attends, on n'est pas que tous les deux en QSO. Je vais faire un retour de micro sur Daniel. Daniel, tu dois certainement entendre Sylvain, c'est-à-dire 14, comment j'ai dit tout à l'heure Sylvain, que je retrouve, 14 Charlie Radio 011, qui arrive du département 10, c'est-à-dire la ville de Troyes. Voilà, pour être avec nous dans le QSO là, du canal 27. Et Radio Broc là de demain. Alors si le dernier coup on a fait très fort avec Claudie qui a fait 170 km pour venir jusqu'ici, là c'est carrément la ville de Troyes, là tout là-haut là qui se joint à nous. Voilà, retour Daniel pour voir si tu entends Sylvain. Dédé, la prestation mobile, avec une Georgia. Voilà, donc ça c'est la plus petite que j'ai, et puis après ben, j'ai celle avec laquelle je module. Je suis sur, ben, sur mon Grand, avec la Santiago 1200. Ben, retour à toi, Sylvain, voir si tu as entendu sur ton 33, alias Daniel. Ok Eric, de suite. Retour à
ouais, bah, j'entends. Hein. Un coco à cette heure-ci, il a du mal. Hein. Il faut bien 5 minutes avant qu'il réagisse là, pour reprendre le micro. Hein. Chie 3 coups. Oui, Daniel, tu passes beaucoup moins fort que. Tu passes moins fort hein, qu'avec l'autre antenne, avec celle-ci. Là, c'est du Santiago 3, hein, alors que tout à l'heure, tu étais à Santiago 4. Jean-Claude, ok, désolé. Ok, vas-y, reprends, retour Jean-Claude. Ok, Claudie, Jean-Claude, tu l'entends ou pas? Négatif, pour l'entendre, il faudrait peut-être qu'il parle aussi. Attention Jean-Claude, pour Claudie, qui toi s'appelle? Ah, il a loupé un virage. Ok, bon voilà, puisqu'il y a un petit blanc, qu'est-ce que je voulais dire ouais, les news d'Internet. Alors, le QSO national de Canal 27 a donné des idées à d'autres OM. Alors, ce coup-ci, c'est la Suisse normande. Voilà, ils ont décidé tous les mercredis soirs à partir de 21h de lancer un QSO, pas national mais international, sur le canal 16, fréquence 27-155. Voilà, donc tous les mercredis soirs, un QSO international est lancé dessus. Maintenant, ben, j'espère pour eux, pour tout le monde, que la PROPAC sera au rendez-vous, parce que c'est vrai que c'est en ce moment, c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc, comme à chaque fois, on nous demande de laisser plus de blanc, ce soir, c'est pas possible. Là, on peut pas. C'est soit on rentre comme un bourrin dans le QSO, et là, ok, il n'y a pas de souci, des stations qui sont en stand-by derrière, qui essayent de rentrer. Et vous rentrez sans problème, car là, on a un buveur de pinot qui est en plus belge avec nous là ce soir. Là, c'est la cata complète, on est dans la merde. Plus un OM, un nordiste qui arrive, putain, ça va nous enfoncer la tête sous l'eau, ça. Là, on n'est pas sorti de la... on n'est pas sorti des emmerdes. Ah, chie trois coups. retour. Eh ben, t'es, puisque je viens de parler de lui, Claudie. Non mais faut laisser du blanc, faut laisser du blanc, moi je veux bien, mais j'ai tout vu. Comment on fait comment? Oh là 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 là. Alors entre un belge et un nordiste, c'est le nord, une fois, c'est le nord. En parlant du nord, tiens, il en est où lui? Retour Sylvain. Ah ben je crois que Sylvain il a loupé un virage. Il vient d'apprendre à l'instant que sur la région il y a des virages, quoi. Il n'y a pas que des lignes droites. Ouais, et comment qu'ils sont mauvais les virages, hein? Oh là 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 là, même moi qui les ai déjà pris au moins une fois là, pour venir la dernière fois, je me suis fait surprendre en revenant là tout à l'heure. Je suis arrivé à 90 dans un angle droit, je fais oui. C'est un peu la même chose que ce que j'ai entendu là tout à l'heure, il n'y a pas 5 minutes. Ça fait aïe 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 aïe. Ouais, exact. J'espère que là tout va bien, parce que là il y a, ouais, il y a eu un couac. Ben, j'ai entendu son Roger Bip là. En avant Sylvain. Voilà, moi qui est tombé dans un trou là. Sur les côtés, il y a les bas-côtés. Les bas-côtés, c'est pas pour toi, c'est toi qui es sur la route. Évite. Oh là 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 là, non mais. On va prendre un trou blanc, moi. Ils ont le dos. Ok, eh bien t'es, justement, tu tombes bien Eric, il y a Claudie qui a des problèmes à laisser des blancs, quoi. Et il y a toujours la bouteille de blanc sur la table, mais il ne voit pas comment laisser des blancs. Et là, il est dans une réflexion assez compliquée, là, et qu'il n'arrive pas à résoudre.
Ok, là on a quelques petits soucis avec Sylvain. on a entendu oui, aïe, 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 et puis plus rien. Donc ok, bon, on va bien voir. Retour Eric. Ok, ok, voilà, je suis de retour de mon petit QRX, voilà. Mais Sylvain, je ne sais pas, il se trouve où là, Sylvain, là, là. À mon avis, il a dû confondre le fossé avec la route. Il croyait que par chez nous, c'est dans les fossés qu'on roulait, quoi. C'est bon, il est toujours vivant, je viens de l'entendre très curté, mais je viens de l'entendre, il est toujours vivant, c'est bon, wouh! Oui, il est curté aussi, je l'ai entendu parler là, ouais. Ouais, idem pour moi, très curté aussi. Je reviens sur la fréquence. Ok, ouais, ben, je suis en même temps en train de noter ton 600, Hachi. Ok, non mais merci. Tu sais, et moi je fais pas grand chose. Hein. C'est vous tous hein, qui faites surtout là pour la radio. Voilà, si sans vous tous, je peux rien faire. Hein, voilà. Hein. Donc tout le mérite revient à l'ensemble du groupe. Voilà, tout simplement. Hein. Ok Hervé Noël, donc je prends note là de ton 600, là j'étais en train de commencer à l'écrire. Et à demain matin, donc si on n'arrive pas à savoir en fréquence, si on loupe le coche, parce que c'est vrai que je sais pas comment, ça va être l'improvisation totale demain matin. Il n'y a pas de souci, je t'appelle au 600, alors attends, tu me dis dans 8h30 et 9h30, ok, pas de problème. Ça marche. Ok, bonne nuit, à demain matin Hervé. Brique station, opérateur fort. Enregistré de brique. Ok, il y a eu un break. Ok, ah oui, non, il y a des stations qui veulent encore lui envoyer 73. Désolé, j'ai repris le micro trop vite. En avant les stations pour envoyer 73. La bonne nuit, Hervé. Arrête de voir le blanc, Rémi.
J'ai pas eu le temps de le boire, c'est Claudie qui a tout bu, quoi. Un Belge qui se met à boire du Pinot des Charentes. Tu vois un peu le tableau, quoi. Bon, il y a eu un break, il y a Chameau 14ODR 007, là, qui vient de breaker, qui vient d'arriver dans le QSO. On lui fait une haie d'honneur. Je vais repasser en écoute, parce que j'ai entendu Chameau là derrière, je vais attendre qu'il rentre. Bonjour, 2713 à tous, là, de l'opérateur Flo. Et 2713 à tous, du coup, je suis arrivé un petit peu à la boule, là. Il y a longtemps que vous avez commencé le QSO, Claudie, là. Attends, déjà Claudie, il a commencé par attaquer la bouteille de Pinot Blanc. Tu vois, ça a déjà duré un bon bout de temps. Et, à 10h10, on était encore au gastro. À 9h10, on était encore au gastro, nous. À chi. Ah bon, on dit que le chameau qui boit. Oh, le chameau, alors celui-là. Attends, là, il y a du sur module. Attends, Claudie. Parce qu'il me semble que Sylvain était là derrière, là. Ouais, je suis derrière, mais je suis pas derrière qui, mais je suis derrière, oui, bonjour. Ça pue, quoi. Ouais, Sylvain, tu viens de m'arriver plein pot, j'ai pas tué, tu dois être derrière moi, là. C'est qui, quoi? 14-21-016, opérateur Claudie. C'est tout, faut que t'arrêtes le pilou, là. Ah, ça t'a mis, là, si je veux, là. Tu es Eric? Ouais, c'est Eric, là, ouais. Là, moi, je suis assez loin de toi, là, mais là, je suis bon, tu es, ça t'a passé bien, là. Ah, bah, ça y est, c'est bon, là, t'arrives à l'entendre. Bah, je dois pas être loin pour nous, là. Je dois pas être loin pour nous, là. J'ai bientôt vu le circuit en direction de Saint-Colombe, là. Ok, là, ouais, y'a pas de soucis, mais ça, tu te rapproches, ça va, ouais. Bon, ben, enchanté, ici l'opérateur Sylvain, la ville de Troyes, hein. Tour 14, Charlie Radio 0, en expédition DX, en expédition pour cours. C'est un Gironde, voilà, ça, retour, Eric. Ok, pas de soucis, mais ça va faire plaisir de faire le petit visu. T'as dû monter à l'altitude un petit peu, là, et c'est bien dégagé, mais là, c'est un temps bien, voilà. Allez, je retourne le micro à Rémi, il fera tourner, voilà. À toi, Rémi. Ok, retour de micro sur Claudie, je suis en train de noter le numéro de téléphone d'Hervé pour demain. Claudie, Chameau, oui, il y a Chameau qui vient d'arriver dans le QSO, et un de plus pour le QSO ce soir. Vas-y, en avant Chameau, va falloir que tu te fasses entendre parce que là, il y a pas mal de monde. J'ai pas compté, mais il y a du monde. En avant Chameau. Ah, ok, c'est justement la question que j'avais posée, là, parce que je suis arrivé encore dans le QSO, là. Donc, après, je sais pas qui c'est, bon, il y a Claudie, là, après, Sylvain, que je connais pas d'ailleurs, je sais pas d'où il est. Enregistrez le siffleur. Facile, Sylvain. Si tu peux me dire là où il est, là, Claudie, Sylvain, tu peux me dire là. Ok, il est sur la colline de Saint-Magne de Castillon. Tu sais là où je me mets là des fois là. Voilà, où tu m'as déjà vu là. Voilà, il est exactement là. Si tu veux le rejoindre, eh bien voilà où tu peux le trouver. Arrête de boire un petit peu, Rémi. Il m'a demandé à moi où était Sylvain. Oh là, et après c'est moi qui picole, ben c'est beau. Là, mais Sylvain, il nous vient tout droit de la ville de Troyes, département 10. Ok, merci, j'oublie le nom, hein. Oups. Merci, heureusement que j'ai mon YK à côté de moi, que ça y est, j'avais oublié, quoi. J'avais oublié, quoi. Écoutez, pour les invitations sur la colline, là, ça serait pas le refus. Je réfléchis. Non, je pense pas, je vais plutôt aller sur ma colline, moi, là, sur Flojang, là. Je dépose vite fait mon YK à la maison. Parce que j'arrive de chez ma soeur, là. Donc je dépose vite sur mon YK à la maison, et après je monte sur la colline là à Flojag. J'aurais pu vite fait d'aller sur la colline à Flojag que d'aller à Saint-Genès. Voilà. Le problème c'est que si je vais là-bas, le temps d'arriver, le quiz sera fini, et du coup, en plus ça va pas me faire beaucoup d'heures de sommeil, quoi.
un peu sinon après ça va être dur. Voilà, retour à toi là, Claudie. Voilà, mais oublie l'idée de déposer l'YL au Gérard, tu prends l'YL, tu prends la bouteille et tu viens me rejoindre. Ah, en plus, ça tombe mal, la bouteille, elle est déjà entamée. C'est l'YL qui l'a même. En plus, elle est en fait, elle a la bouteille, elle a le. Ah, c'est pas bon ça? T'avais la glacière? Ah, moi j'ai tout, la glacière, le coca, le champagne, tout. Ah, t'as de bonnes installations, Sylvain. Ah, tu m'étonnes qu'il est en retard après, Sylvain. On se demande ce qu'il a fait sur la route. Ah ouais, la photo GPS, bien sûr. Non, j'ai pas fait le ciel, c'est crapuleux. Non. Prudence sur la route, sans pas faire le faux. Claudie, vous êtes combien sur la colline, là, t'es tout seul? Bah ouais, je me sens tout seul, j'ai même pas emmené la quille, y'a rien. Ouais, t'as ta bouteille avec toi. Ouais, il doit me rester une bouteille de panaché, là, quelque part, dans le sac ou dans le bouge, je sais pas. Mais il doit me rester une. Mais c'est sans l'alcool. Qui était derrière Chamorro en temps. Ah, ça y est. Attends, Moi, j'ai oublié de te saluer, les invités. Attends, alors, c'était pour te faire participer. Alors, pour la vidéo qui est toujours en route, j'ai Pascal 14ODR001 au 600. Voilà, pour le faire participer un petit peu, lui faire écouter un peu le QSO du Sud-Ouest. Je ne sais pas compter, Pascal, combien on est, mais il y a du monde. Hein. C'est Sylvain qui te remet les bons chiffres. Ah, t'as compté? Ouais, ouais. Ouais. C'est rien, ça. Tout le monde parle en même temps. Ouais. Ouais, 4,5, ouais, t'as raison. Ça passe très bien, là, impeccable. Là, je t'entends. Ah ouais, comme je dis, c'était à côté, là. Mais moi, tu m'arrives au plein fond, là. Je suis bloqué, lui. Ouais, moi, je suis le plus loin, là, pour le moment. Hein. Ok, Sylvain, t'es rendu où, là, maintenant? Ah oui, toi, t'es rendu où? Bon, j'ai compris, t'es sur la rocade de Libourne, il y a des plots au milieu de la route, c'est ça? Si t'as des plots tout du long au milieu de la route, c'est la rocade de Libourne. Oh, j'ai des ralentisseurs en plein milieu. T'as des ralentisseurs en plein milieu de la route? Oh, les salauds quand même. Ah, il y en a qui sont farceurs, hein. Méfie-toi, Sylvain, tu risques de tomber là par endroit sur des kangourous farceurs. Ils traversent la route comme ça, on se demande pourquoi. Alors, tu te retrouves d'un seul coup avec un bordel sur le capot, ça fait bizarre. Encore un, t'en fais pas des émigrants ou quoi, ok? Tu prends quoi? Comme tu dis. Ah, si, c'est à ça que je faisais allusion. Bah, où les vaches, car les vaches. Non, on t'a dit que c'était des kangourous, pas des vaches. Attends, quand je vais arriver. Ah, faudra me chercher parce que je suis poché de le dire. Je suis planqué là. Ah, mais j'en trouve plus quand je veux. J'ai un GPS, mec, celui-là. Alors là, je te défie de le trouver, là, Sylvain. Ouais, là, je te défie de trouver où est Claudie, là, en ce moment. Il faut vraiment connaître le coin, là, pour arriver à le débusquer. Hein. De là où il est, il peut voir tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Surtout par où tu vas arriver, là, Sylvain. Et toi, là, non, c'est pas possible. T'as un beau tourneur, tu vas tourner en rond autour de lui, mais c'est tout ce que tu arriveras à faire.
Ben dis-moi, là, j'ai une petite question, là. Tu crois qu'avec la moitié d'un plein demain, je vais en faire? Toi, à moitié plein demain, est-ce que ça va le faire? Wow, après une bonne nuit, oui, ça ira mieux. Attends. Ok, quelle autoroute? Il faut que tu prennes la direction Bergerac-Castillon-la-Bataille. Voilà, c'est ça, Bergerac-Castillon-la-Bataille. Tu verras, il y a des concessionnaires Citroën, Peugeot par la même occasion, là. Et de l'autre côté, t'as un petit supermarché, un truc comme ça. Bergerac-Castillon-la-Bataille, voilà ce qu'il faut que tu prennes. Oh, c'est bon ça, le Bergerac. Et le Belge. Je te demandais, là, Chameau, ok, je te réponds de suite. Ben, tout dépend de la consommation de ton fourgon. Avec un demi-plein, tu fais combien de kilomètres? Oula, je sens la connerie. Arrête de bouffer le micro alors. Chameau, je t'entends. Putain, on est dans la merde. Oh là, attends, parce qu'il risquerait de croiser les kangourous, il commence à entendre des chameaux, oh là 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 là, l'état du type. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, mais l'état du type aussi là. Après, on dit que c'est moi qui bois. Oh là, c'est beau. Non, attends, je t'explique, Claudie. Toi, tu bois la bouteille de Pinot. Il en manque bien les. Oui, je la regarde là. Il en manque bien la moitié là dedans. Et tu sues tout le monde après. Ouais, tu m'étonnes qu'on est bourré ensuite. Merci. Et Rémi, je suis à combien moi de temps qu'il y aura à peu près un kilomètre là? Je crois que ça doit être quelque chose comme 65 il me semble. Ok, parce qu'en mobile il passe bien si je vais là. Ah ouais, bah oui, bah tout dépend comment il est tourné, hein. Je crois qu'il a, il a l'antenne au milieu du toit, donc vu comment il est, il doit être en plein, il se retrouve, il doit être sur la nationale, Libourne Castillon, à tous les coups ça doit être ça, donc il est dans ton sens, ouais c'est bon. Aïe aïe, Claudie, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Allez, une petite couche belge. Non, je suis en panne là. Il est dépité là pour le coup. Là par contre, Eric, là tu m'en mets un plus sec. Oui, ouais. Ça va, Chameau. Et je t'ai pas oublié, ton de t'inquiète pas, hein, c'est de côté. Ok, super, merci, c'est gentil. Pas de problème. Est-ce qu'on a toujours son temps avec nous? Eric, non, pas le soldat qui sont un peu. Allez, Daniel, t'attends plus. Ok, attends, j'étais. Ok, tu passes QRT, c'est ça, Daniel?
tu m'as envoyé un SMS. T'as dû te tromper de personne ou à qui t'as envoyé le SMS, parce que là j'ai le téléphone portable devant les yeux, j'ai rien du tout. Ok, allez, les bonnes surprises 51 à toi, et puis à demain matin. Donc ok, tu te charges du gastro, et on voit ça, il n'y a pas de souci. À demain, Daniel. Bon, j'ai rien compris, moi. Toi, Claudie, quand je dis, merde, t'es, allez, retour, Claudie. Putain, ok, Daniel, désolé, si j'avais mal compris. Arrête de picoler. Oh putain, je suis mort de rire, moi, ici, j'en peux plus. Non. En fait, t'as pas reçu le SMS parce qu'il n'est pas encore envoyé, il est seulement en rédaction. Voilà. Et puis, il s'en va pas, il reste là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire de lui, voyons. Hey Daniel, j'ai pris de l'entraînement pour récupérer les indicatifs depuis le temps. C'est bon, j'ai tout le monde déjà. Au fur et à mesure que les stations arrivent et tout, je me marque ça aussitôt là dans l'ordinateur pour faire après le petit compte rendu des stations présentes qui à chaque fois accompagne les vidéos, quoi. Moi j'ai compris. Ok Daniel, bon d'accord, puisqu'il y a un blanc, Coco habituellement se couche à 20h. Mais Sylvain, je sais pas si t'as vu, mais demain, tu sais déjà à côté de qui, il faudra surtout pas que tu te mettes. Parce que là, Daniel, il vient de nous parler de... Tu commences à lui toucher les cuisses. Ouh là 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 là, moi je veux pas savoir, là. Ouais, mais je connais madame, elle veut pas être contente. Madame qui est à côté de moi, elle prend pas être contente du tout, hein. Oh là là, tu croyais que j'étais pas sur le pôle d'Aquitaine, là, tu m'as rien fait pour les gamins, là. Il a dû se tromper de direction de Sylvain, oui. Là, j'ai pas compris là où c'est qu'il est. Ouais. C'est. Ouh là 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 là. Ah si, attends, merci, oui, il doit arriver par la route de. Par le pont de la Dordogne, là. Ouais. Pourquoi le pont de la Dordogne? Hop, désolé Sylvain, on a parlé en même temps. Pourquoi le pont de la Dordogne? C'est pas du tout la même direction. Quoique. Ouais, bon, chacun fait. Chacun voit comme il veut, il n'y a pas de souci, moi ça me va. Tu vas pas directement à la radio, que tu t'en veux pas. Ah, mais j'ai loupé deux fois la sortie de tout à l'heure. J'en parlais avec moi, j'ai loupé. C'est pour ça que j'ai fait aïe aïe aïe. Ok, j'ai compris, quoi.
Eh ben oui, ton YL avait rigolé pour le coup. T'es qu'un mec, tu sais faire qu'une seule chose à la fois. Dès que tu commences à essayer de réfléchir à ce que tu fais, à tenir le QSO, ça se barre en couille. Ah, le truc des trois choses. Trois choses à la fois. Oh, du moment que tu vois pas le panneau Bruxelles, c'est bon. Qui d'autre? Mais je n'entends plus. Si, moi j'entends encore là. Libourne. Ouais, le façon ton GPS, il doit indiquer la direction Libourne. Parce que si là, il y a un problème. Ok, Eric, toi qui l'entends bien, par où il passe en fin de compte là, Sylvain, j'ai pas tout compris là. Il y a j'ai pas compris la logique là. Et il va parler de la sortie 45 tout à l'heure. Donc il était sur l'autoroute. Ben, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Vu d'où il arrive, c'est plus par le côté Bergerac, de ce côté-là, qu'il aurait dû arriver, je pense. Enfin, Périgueux, je veux dire. Il aurait dû descendre droit à la verticale, plutôt que de faire une boucle vers l'ouest, carrément. Arrête tes conneries, puis le rodage est un nouvel courroie. Aïe aïe, ok, j'avais oublié le rodage de la courroie. Ah mais je dois être dans le bon sens quoi. Ouais, ça dépend pour aller où. Si c'est pour prendre la Belgique, il y a des chances. Ok, c'est seulement maintenant que je viens de comprendre où c'est qu'il est. Sortie 9. Voilà, c'est la dernière sortie avant l'autoroute, la sortie 9. Je le croyais plus près que ça, là, tu vois. Mais non, pour l'instant, je suis à un numéro 2, là. Oh bordel, il y a du chemin, quoi. Eh oui, il a passé la porte de la sortie Irak, après il y a la sortie Mont-du-Sang, qui va passer à la poste avec une descente en fin de cuvette. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, dans ce sens-là, c'est bon, t'as pas de radar, là.
À moins qu'il y ait un radar mobile qui soit mis en place, bien entendu. Ok, avec la voiture que j'ai, ça va être que je fasse des points, hein. Un Peugeot Esther. Ah, mais ça va, c'est très bien comme voiture, ça. C'est pas mieux que mon canon, hein. Que ça prend vite. Un peu plus petit, c'est un peu plus petit. Un peu plus petit, oui, c'est vrai, non, aussi. Mais en plus de ça, non, ça va être à cause de 96, alors, t'as quand même. Ah, oh, ben je me retrouve con, moi, avec la Super 5 au milieu de tout ça. J'ai confondu avec Radio M. Mais enfin, c'est pas mal, la Super 5, c'est bien, hein. Après un coup de soleil, elle a retenu. Bon, j'ai une avis maintenant, il y a une semaine, ça ne va même plus, quoi. C'est un chemin calqué, chemin, c'est dans le sens. Allez, donc, il faut que je prenne la sortie numéro 9, hein, c'est ça, hein. Affirmatif, la 9. Pas la 6, hein, la 9. Ouais, de toute façon, ça m'a dit que... Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est la sortie 9, hein, y a pas de problème. Hein. Ah ouais, je suis pas plus con qu'un autre. Daniel, il est sur Villeneuve-d'Ornon. N'importe quoi, sur Blanquefort, sur les hauteurs de Blanquefort. Ouais, il est loin, non? Voilà, sortie numéro 1. Il est sur un point haut, là, en poche. Je sais plus, j'ai perdu la tête. Tu resteras à la main, tu vois, que tu sors pas. Si tu veux de la loupe, celle-là, tu te prends l'autoroute, après. Tu vois, comme quoi, les GPS, il faut vraiment pas s'y fier. Alors, que, voilà. Bah j'ai pas entendu. Ok, bah, la station qui a souhaité bonne soirée, j'imagine que tu dois QRT. Ok, bonne soirée. Peut-être qu'on te comptera parmi nous demain, je sais pas, là j'ai pas entendu qui c'est. À moins que ce soit Jérôme peut-être du département 40. C'est vrai que j'ai complètement zappé là de mon côté. Hein. Vas-y, chameau, la route est libre. Ok, super. Donc, le petit frère, il y aura le petit frère, voilà, il a réussi à me parler. T'auras ton frangin avec toi demain? Attends, j'ai pas eu le temps de te clarifier, là. Vas-y, reviens. Ouais, c'est bien ça. Tu veux le petit frère avec moi, ouais. Je vais voir ce que c'est, ouais. Oh, bordel, il va y avoir du QRM. Chameau, sympa, Ah, il faut marcher à l'oreille. Le clarifieur, tu les laisses au centre et tu touches juste au Corse, là autour, et tu à la limite, le fréquencemètre, tu le caches. Et tu fonctionnes juste à l'oreille. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se fient à l'affichage de la fréquence. Et c'est pas forcément forcément toujours bon. Ah merde, tain, je vais y arriver. Il faut marcher à l'oreille, uniquement à l'oreille. Voilà, voilà. Et puis là tu verras, tu auras de bien meilleurs résultats qu'à te fixer les yeux là sur le fréquencemètre. Voilà, normalement là ça doit être bon. Pour ma part, je suis sur le 27275.00, affichage de la fréquence. Peut-être que je suis un peu en dessous, je sais pas trop. Apparemment, si Eric m'a pas signalé que j'étais décalé, c'est que bon, ça doit être bon de mon côté alors. Voilà, bon, normalement j'ai dû assez parler. Vas-y, retour chameau pour un peu ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est en progrès là. Vas-y, Eric. C'est comme ça que je faisais, moi, hein. Quand il s'est décalé le poste en chauffant tout ça, il restait plus sur 0-0, hein. Je vois, c'est bien, quand tu vois le poste. Ouais, j'ai toujours le poste, avec j'ai toujours le poste, là. Ouais, des fois, là, je parle, et puis, suivant
quelqu'un tout seul, je serai avec lui tout seul. Hein. Ah ouais, j'étais pas clarifié là, non, ça sert à rien. Allez, retour à Gilles. Alors, merci Eric, je viens de passer la numéro 6, bientôt j'arrive. Ok, et la 6, Chameau remonte encore un petit peu là en fréquence, voilà, remonte un petit, encore un petit poil, même si tu restes encore un peu décalé, vaut mieux à la limite que tu sois un petit peu décalé pour nous, un chouïa aigu, qui est plutôt que grave. Si tu es décalé un chouïa aigu, on arrivera mieux à te comprendre que là. Parce que en plus de ça, là, vu que tu es décalé pour nous un peu grave, on a l'impression que tu as le micro dans le fond de la gorge. Alors voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écoute. Et c'est vrai, tu verras sur la vidéo, c'est vraiment pas évident. Évident. Hein. Voilà, là, vas-y, reviens-nous, là, Chameau, pour voir ce que ça donne. Ah, c'est bien comme ça? Ah, allez, un petit chouïa, mais vraiment un chouïa, hein, un cheveu, c'est tout. Ok, moi j'ai envie de dire que c'est bon. Retour Eric, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si quelqu'un parlait avec toi, c'est pas si j'ai pas compris. Oui, c'est Sylvain, ouais, ok, vas-y Sylvain. Non, on dirait qu'il a un petit peu trop de compression ou que ton mégal est un peu fort. Là. Des fois, c'est, ça crachouillote un peu. Là. Ouais, il entend bien, ça parlait fort. Il a hurlé des fois dans le micro, donc je lui ai dit la dernière fois. Ou alors, il met son micro à 23 cm de la bouche. Ça sert à rien de le coller. Hein. Non, j'ai compris. Non, c'était un machin. Là. Non, j'avais un problème. Là. C'est bon, j'ai réglé l'histoire. Là. Ça doit aller mieux, en principe, comme ça. Là. Génial, touche plus à rien, même plus au micro, hachi. Ok, Daniel Santor, je t'ai entendu, ouais. Ok, ouais, en fin de compte, mais ça, j'y aurai pas souvent, mais bon, quand on monte dans le camion ou un truc comme ça, souvent, j'ai le volant qui est proche des boutons, Rémi pourrait le dire, là, et souvent, le volant qui est proche des boutons, donc du coup, des fois, ça arrive que je touche aux boutons qui sont à côté du volant, quoi, et je m'en aperçois pas forcément, quoi. Et donc, du coup, c'était le mid-gain, RF-gain, mid-gain qui était trop fort, quoi. Hey, Chameau, arrête de toucher les boutons, ça fait pas bon, hein. Aïe, aïe. Continue. Dans les commandes Europe, pour ton nez, j'aurai la même option, moi. Ah, et c'est presque ça, tu vois, c'est presque ça, là. Tu vois, t'as l'option, là, t'as l'option que ton véhicule s'est pas distancé, tout ça, d'ailleurs, pas mal, ça, pas mal du tout, là, il y a fort qu'on en discute de ça, ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup, mais moi, tu vois, j'ai l'option que, enfin, que, j'ai le pote Sibi là qui est à côté, mais vraiment à côté du volant, quoi. Demain, tu verras. Il a bien un tiers du poste qui est sorti du temps de volant. C'est vraiment pas loin, quoi. Et oui, il a la possibilité sur le côté. Donc, voilà. Donc, astronome au temps de volant, il vient vraiment buter contre la possibilité. Ouais, Claudie, il a le poste qui est encastré jusqu'à venir en buter là, contre la prise micro là, qui est sur le côté. Quoi. Donc tu vois un petit peu sur le Jackson ce qui reste au niveau du poste là, à ressortir du tableau de bord. Et donc c'est pour ça que, voilà, oui, il a les commandes au volant. Toi comme toi, tu as la télécommande pour allumer, pour mettre en marche la voiture. Et tiens, demain matin, il va même mettre le chauffage de la voiture en marche à distance. Quoi. J'hallucine, quoi. De toute façon, Chameau, il t'a dit, le fil rouge sur le rouge, le fil blanc sur le blanc. Voilà, c'est tout simple. Ouais, ça, il y a eu de la sans-module là, donc c'était un peu dur là. C'était un peu dur là, à comprendre tout ça là. J'ai rien compris quoi. Pour dire j'ai rien compris, j'ai entendu Rémi qui parlait de mon poste. On a rien compris quoi. Le retour à toi Rémi, là, tu passeras le micro à. Ça y est, j'ai oublié son nom. À ton collègue. Ok, non, moi c'était plein de conneries. Ouais. Retour à, je sais pas, l'OM qui avait repris le micro.
Bah, c'était moi. Non, mais façon de décoller pour un micro, c'est tout pour raconter des conneries. Hein. Ça, je crois que tout le monde le sait maintenant, ce 33. Chie. Sylvain, tu es où? Attends pas, me trouvez pas, j'arrive à sortie 9. Sortie 9, hop là, silence radio, il arrive à sortie 9. Si on lui parle, il va louper la sortie 9. Oui, le CQ, en avant. Oui, la station qui a lancé un CQ, en avant. Ok Claudie, toi qui es bien placé, vas-y, il y a eu un CQ de lancer derrière, fais-le rentrer parce qu'il m'entend pas apparemment. En avant pour le CQ, en avant pour le CQ. Ouais, attention derrière, est-ce que tu m'arrives très curté là, quel est l'indicatif? Ah, plus rien de mon côté, plus rien. CQ surtout. Oui, c'est QQ, oui. Une frite une fois. Non, mais t'as fini, toi. Eh, prends la sortie. À propos de sortie, Sylvain, voilà, on t'a pas parlé, c'est bon, t'as réussi à faire une chasse au jeu à la fois. T'as pris la sortie là ce coup-ci. Attention, c'est une rocade, donc il y a des virages. C'est normal qu'il y a plein de pelouses, il y a plein de pelouses. C'est vrai. Ils sont chiants. Il y a plein de pelouses devant la voiture. Oh là 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 là, je veux pas savoir où tu es. Oui Claudie, vas-y, fais-le rentrer. En avant le break. Ok, que c'est les bonnes 73 à toi, Jérôme. Ah, c'est difficile. Qu'est-ce que ça va faire pour demain matin? Ok, que c'est le président Georges, puis l'antenne faite maison. Tu m'arrives très clair, paye ici, signal négatif, radio 2-3. Ouais. Enregistrez le break. Ah, il y a eu la surmodule là. Module. Bon arrêt, moi je suis sur les hauteurs de Saint-Main-de-Castillon. Ah, je l'entends, mais vraiment c'est... Okay. Oh la vache. Sur les hauteurs de Saint-Magne de Castillon. Et encore, la Claudie, il n'a pas sorti d'antenne de fixe. Il n'a pas enlevé. Affirmatif. Il est juste sur la sentier de Mais Ok, Kessel, Shogun, Montora, 10 mètres. Les bonnes 73 à toi, je ne sais pas si les autres stations te copient. Je vais passer le micro. Ok, merci Eric. Donc, pas de problème, t'as ça à faire raide demain matin. Quand je vois ce qu'il nous reste à dormir, au secours. Et d'ici
que Sylvain arrive en Belgique, là, ça n'est pas loin. Aïe, 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 au secours. Ok, les 213, bonne nuit, bon 144, et à demain, à la station essence, là-bas, là, sur la rocade de Bordeaux. Pas de problème, bonne nuit, retour de micro sur, sur Claudie. Bon 144 à toi Eric, bah, à demain. Sylvain, si tu passes par la Belgique, ben, ramène-moi les fricadelles, s'il te plaît. fais gaffe, que je peux t'en ramener. Hein. Allez, petit père Eric, à demain, bonne nuit. Je fais un petit retour sur le chapeau là. Ok, merci, merci. Allez, le 273 à Eric, là, à demain Eric. Bon 144. Moi j'ai pas de même là, j'ai QRT. Car demain matin, 5h de vous là. 5h de vous, je pars de la maison à 6h30, voilà. J'ai un petit peu d'avance, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, j'ai un petit peu d'avance, mais tant mieux, enfin tant mieux, je peux faire un peu d'avance. Hein. Voilà. Allez, le 273, bonne nuit à tous là. Ok, juste une chose pour info, je serai à l'écoute, moi, à partir de 7h15 de matin, je serai sur la même fréquence, voilà. Donc, à demain, bye bye. Ok, merci, j'espère que je suis modulé personne. Pas de souci, Eric. Allez, à demain. Ok, je suis modulé, désolé. Ok, ben comme ça, Chameau, si t'es en avance, tu pourras faire le plein du fourgon demain matin. Allez, ok, Eric, bonne nuit. Chameau, bonne nuit. Eh ben tiens, et moi, si je passais QRT aussi, quoi, qu'on rigole. Non, Sylvain, je t'attends, il n'y a pas de souci. Allez, retour Daniel. Je sais pas, peut-être qu'on a oublié des stations, je sais pas. Fabrice du département 24 devait faire un petit passage. Peut-être qu'il est derrière la porte, je sais pas, non, il aurait breaké. Attends, on va voir. Alors, s'il y a des stations stand-by qui veulent rentrer dans le QSO, là c'est un peu plus calme maintenant. Allez-y, rentrez. Ok, ben je l'entends, c'est très très QRP de mon côté là, Jérôme. Retour de micro à toi, Jérôme. Désolé, c'est vrai que on t'a malencontreusement laissé un petit peu de côté. J'en suis désolé, c'est vrai que là de mon côté c'est vraiment très QRP, c'est vraiment pas évident. Je sais plus ce que tu as dit pour demain. Tu nous as dit que demain tu pouvais pas venir à Radio Broc, hein, c'est bien ça. Hein. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on fait pas toujours ce que l'on veut. Bon, ben oui, on n'est plus que tous les quatre. Voilà, ouais, c'est tout. Sylvain, tu es où, là? As-tu trouvé la rocade de Libourne? Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait de la pelouse sur la rocade de Libourne. T'es sûr de toi, là? J'ai dit des plots. Ah oui, avec ton accent à moitié belge, j'ai pas connu. Je déconne. D'ailleurs, il y en a un tout à l'heure du haut de sa taille des. Claudie, il fait la taille d'une Santiago 1200. Alors, du haut de la pointe de la Santiago 1200, tu vois que tout.